Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va recommencer notre cours de la révision du module de biologie animale. Alors, ce module est vraiment simple et on va aussi expliquer ce module en arabe marocain. Alors, on va commencer notre vidéo pour résumer facilement apprendre le module. Un résumé facile pour apprendre le module. D'ailleurs, la première vidéo, on a fait comment réussir les examens, malgré que le son n'existe pas dans la vidéo. Alors aujourd'hui, on va le refaire à la fin de cette vidéo. Alors, on commence par le résumé. Alors, ce résumé, il est disponible dans notre page Facebook et aussi dans notre groupe WhatsApp. Alors, on va commencer par l'être vivant. Alors, ce cladogramme, si on connaît bien que les examens ont dans la partie de vertébrés, donné un cladogramme. Ce cladogramme, parfois 9 points, parfois 10 points, parfois 8,5 points. Alors, ça dépend. Alors, comment on va faire ce cladogramme? Alors, ici, on a l'être vivant. L'être vivant, c'est l'origine de tout ce qu'on va étudier dans ce cladogramme. Alors, que l'être vivant, c'est un être vivant qui a toutes les fonctionnalités vivantes. Et bien sûr, on peut dire que c'est eucaryote ou bien mélacarien. Alors, notre cladogramme, on va commencer par les protostomiens ou bien les deutérostomiens. Ce sont les origines de tous. Alors, on va commencer notre résumé par les deutérostomiens. Alors, si on va voir ici comment ça marche, alors que les êtres vivants, dont les eucaryotes, dont les animaux, les animaux, ce sont les protostomiens aussi que les deutérostomiens. Alors, ici, on va voir que la seule différence ici, c'est la formation de la bouche. Alors, les deutérostomiens, c'est la formation de la bouche après l'anus. Alors, notre premier cladogramme qu'on va traiter ici, on va commencer par les deutérostomiens. Alors, les deutérostomiens, on dit que c'est la formation de la bouche après l'anus. Alors, on va commencer par les pharyngotrèmes ou bien, alors, le premier classe, c'est les chordés. Alors, c'est quoi un chordé? Si on fait un cladogramme, il faut dire le classe des animaux et ses caractéristiques. Alors, le classe, c'est les chordés, les caractéristiques qui ont un chordé. Alors, il n'y a qu'un duro, parce qu'on a un cladogramme, parce que ça va voir l'exemple. كطلبونا أنه تنحطوا لهم تسمية تاع الكلاس اللي كاين تام يعني تنبداو ليه من الاول تنقولوا واش هو دوتيروستوميا كما تاع دوتيروستوميا كنحطوا دوتيروستوميا كنحطوا فارانغوتريم كنحطوا كوردي كنجيو كل وحده شي خصنا نديرو لها كيخصنا نعطيوها الشرح ديالها او بيان اون كاركتيريستيك ديالها هاد لا كاركتيريستيك ديالها بحال لي دوتيروستوميا اون دي كو لور كاركتيريستيك سي لا فورماسيون دو لا بوش ابري لانوس. Et le caractéristique du chordé, c'est qu'ils ont un corps. Voilà, alors on va passer aux urochordés. C'est quoi les urochordés? Les urochordés, ce sont les animaux qui ont la corde présente dans la queue à l'état larvaire. Par exemple, on parle de la métamorphose de la larve de la scie. Alors cette larve de dubé était libre après, elle se fixe en rotation. Elle se fixe et elle fait une rotation. Et après, elle va perdre leur larve. Elle va perdre la queue et aussi la corde, on dit que c'est une partie nerveuse du système. C'est une partie du système nerveuse. Alors, que l'adulte, on voit que l'adulte est là du siphon buccal et du siphon loacal. Alors, on va commencer et on va terminer notre cladogramme. C'est l'hémiomérozoaire. C'est quoi l'hémiomérozoaire? On distingue l'hémiomérozoaire ici. C'est le numéro 7 de notre cladogramme. Alors, l'hémiomérozoaire, elles ont présent du muscle. Alors, le caractère de l'hémiomérozoaire, elle a aussi la présence du muscle.
Alors, voilà le caractère du long. Alors, ici, on va passer à la céphalochordée. Céphalochordée. Ici, dans notre cladogramme, c'est le numéro 8. Alors, les céphalochordées, on dit quoi par le céphalon? C'est la tête et la corde et cordée si ils ont une corde. Alors, la corde se prolonge au niveau de la tête. Alors, les céphalochordées, qu'est-ce qu'on a dit? La corde est longue, qu'est-ce qu'on monte da et la race. يعني كتكون عنده في الراس الوغ هذا هو الكاركتيرستيك ديالهم تنقولوا كو لا كورد سو برولونج او نيفو دو لا تيت لي هو لو سيفالون كيما قلنا الوغ غنعطيو هنايا ان اكزومبل لي هو لانفيوكيوس يعني لو كاركتيرستيك ديالو ولا بينا ديو لا اون فيش اناتوميك ديالو غنقولوا بان عنده با دو كران اي انيمو مارين لو نومبر دو بيس ديال لي سيفالوكوردي هما 13. Alors, on va passer aux craniates. Les craniates, bien sûr, leurs caractéristiques, elles ont un crâne. Alors, et si on parle du craniate, le numéro 9, ce sont les craniates. Et le numéro 8 qu'on parlait déjà, c'est les céphalochordés. Alors, maintenant, on va passer au 11e, ce sont les vertébrés. C'est quoi les vertébrés? Elles ont un colon vertébral. Alors, leur caractéristique, c'est la présence de vertèbres qui entourent la corde. Alors, un colon vertébral. Comme nous les avons, on a un colon vertébral. Le colon vertébral, c'est qui entoure la corde. La corde, c'est un nerf qui entoure la corde. Vertèbre, le colon vertébral. Alors l'exemple de la lampoie et les vertèbres avec mâchoire mobile. Alors on continue notre cladogramme. Alors ici on a le numéro 12. Ce sont les agnates. Elles ont une mâchoire immobile. Alors elles sont ici dans notre cladogramme. Ce sont celui-là, ce sont les agnates. Le programme 12, ce sont les agnates. Ils sont mâchoires et mobiles. Alors, et on va commencer le 13. Notre classe ici, ils ont les gnatostomes. Les gnatostomes, elles ont mâchoires mobiles. Alors, on passe au 14e classe. Ce sont les chondrichtiens. C'est quoi les chondrichtiens? Les chondrichtiens, ce sont qui contiennent le cartilagineux. Alors, leur crâne est cartilagineux. Si leur crâne cartilagineux, on parle de chondrocrâne. Alors, le chondro, c'est la présence du cartilage et le crâne, si pour signifie pour le crâne, si leur tête, presque leur tête, alors on dit chondrocrâne. C'est comme le requin et la raie. Alors, on continue et on va constituer par la classe des ostéchiens. La classe des ostéchiens, ce sont les animaux osseux. Les animaux osseux, ils sont divisés par deux. Les osseux dermique et l'os enchondral. C'est le TD du squelette. Alors, l'os dermique est formé à partir du derme et l'os enchondral formé à partir du cartilage. En continuant notre résumé, alors on parle des actinoptérygiens. Les actinoptérygiens, ce sont les poissons. Les actinoptérygiens ici, ce sont les poissons osseux avec des nageoires pluribasales. Alors j'insiste sur les nageoires pluribasales ou bien des membres pluribasales à rayons appelés lépidotriches. Alors vous avez trouvé le schéma dans la page 19 du PDF du cours vertébré. Alors les écailles. Alors, leurs caractéristiques aussi, les écailles et respiration bronchiale. Alors, maintenant, on passe aux sarcoptérygiens. Les sarcoptérygiens, ils ont les membres charnus du type monobasal. Et ici, les amis, on voit qu'il y a une différence ici très bien visible entre les actinoptérygiens et les sarcoptérygiens. Les actinoptérygiens, ils sont caractérisés par les membres pluribasal et les sarcoptérygiens sont caractérisés par
les membres charnus du type monobasal. L'exemple d'un actinistien, c'est une nageoire avec une lobe charnue, type monobasal, et nageoire caudale, avec trois lobes. C'est ça le premier cladogramme dont vous plonge. Alors ici on passe à deuxième cladogramme, les épédiciens. Alors on va chercher le deuxième cladogramme. Où est ce deuxième cladogramme? On continue. Entre courbes. Bon, j'espère qu'il se trouve là. Et voilà, je l'ai trouvé. Et il est ici. Et voilà, voilà. Ici. C'est notre deuxième cladogramme. Notre deuxième cladogramme concernant les sarcoptérygiens. Alors, les sarcoptérygiens. Alors, on commence par les répédiciens. Les répédiciens, c'est le numéro 3, notre cladogramme. Alors, quand on dit les sarcoptérygiens, ils ont des membres monobasales. Alors, on va étudier maintenant les répédiciens. Alors, les répédiciens, ils sont caractérisés par la présence de poumons fonctionnels formés d'alvéoles. Alors, j'insiste sur les poumons fonctionnels. Et la présence de la glotte, c'est une caractéristique aussi très importante que les autres, et la présence de deux oreillettes dans le cœur. Alors ici, on parle de TD de cœur et TD du squelette, que j'insiste beaucoup pour les étudier bien, car presque 3 jusqu'à 6 points dans l'examen final sur 2 TD. Elles ont toujours présent dans l'examen final ou bien le contrôle final, le CF. Alors maintenant on parle de l'exemple de dipneuste. La page 23 de PDF 1 du vertébré. Alors je vais toujours vous donner les exemples pour comment travailler. Alors c'est ça, les dipneustes, c'est le numéro 4 dans le deuxième cladogramme. Alors ici on va commencer. Bon, le numéro 5. Le numéro 5, on parlait de tétrapodes. Alors, on va voir ici avec vous les tétrapodes. Il est numéro 5. Alors, les tétrapodes sont caractérisés par la présence de 4 membres locomoteurs munis de doigts. Alors, il y a un mot qui connaît. Non, tétrapodes. Il y a une idée d'informe. Tétrapodes. Tétrapodes. باش كتنقل واحد الرجل موني دي دو يعني في الاصابع سالو كاس دو تيترابود اي مانتون باس لي سانفيبيان لي سانفيبيان اي سان ديفيزي با سور 4 لي سانفيبيان كومبوزي 2 alors ils sont on a le premier type qui forme sans pattes forme sans pattes alors on dit les gymnophions et ici c'est une forme de lissamphibien sans pattes. Les pattes sont pas présentes ici. Alors, deuxième classé, lissamphibien avec pattes. On dit les batraciens. Les batraciens, alors on va voir ici, les batraciens, ce sont là. Il y a aussi ces batraciens, ils sont divisés par deux. Les formes, selon la forme. Alors, si leur forme est, ils ont des pattes courtes et une queue longue, il a qu'un endom Erjul Kassira ou D il a un endom Tawil Fakangoulou Lium le Zirodel. Alors le Zirodel, ici les pattes se sont courtes et ici on a une longue queue. Alors et la dernière forme, on parle de longues pattes et sans queue. Alors ici on parle des anneaux et sans ressemble eux grumis, mais on nous appelle les anneaux. Ce sont là les anneaux. Alors, huitième, on parle de batraciens. C'est quoi les batraciens? Ce sont les anoures métamorphoses. Elles ont des pigments et elles ont chromatophores. Alors, c'est quoi ça? Alors, on dit qu'elles ont, de différentes couleurs. Et ça, on s'appelle déjà les batraciens. Elles ont 10 couleurs comme les anoures ou bien comme les hirondelles et elles ont du pigment. Ces pigments sont donnés par leur petit continent
pigmentant qui est dans la couleur spécifique et des couleurs différentes. Elles ont très belles dans leur forme, mais sont toxiques. Alors ici, on termine notre cladogramme et ensuite on parle sur les amniotes. Alors les amniotes, elles ont la présence d'une membrane qui entoure l'embryon, qui s'appelle l'amnios, qui forme un sac contenu le liquide amniotique, qui contient le liquide amniotique. Et là, on dit que الكائنات الحية اللي كيكونوا فاش كيكون في مرحلة الجنين كيكونوا كتكون محيطة به واحد مومبرا كيتسمى المومبرا امنيوس كيتسمى لامنيوس. هادشي في المرحلة فاش كيكون جنين ولا كيكون سميتو في الرحم فاش كيكون هو تيكون فيه ليكيد امنيوتيك وكنقسموهم على ثلاثة سون ديفيزي بار توا لانابسيد سون فوس تومبوريل سينابسيد افيك اون سول paire de fosses temporelles et diapside de paire de fosses temporelles. Alors l'exemple sont constitués dans la page 3, 4 et 5 du deuxième PDF. Alors ici on parle de la chélonienne. Les chéloniennes, elles ont connu par leur carapace qui protège leur corps. Le plus connu est la tortue. Les chéloniennes, le caractéristique d'elles directement ou à la carapace. Il y a une belle solaire. La tortue qui contient une carapace, les qui te met jisme d'elle. Il y a une petite conche chatte qui traverse la carapace d'elle ou qui te prend mieux. Ou ils dorsale et ventrale. Il y a une la tortue qui contient une carapace dorsale et ventrale. Et qui te contient d'ailleurs une carapace dorsale seulement. Alors on parle de mâchoire sans dents. La tortue a un caractère, ou bien les chéloniens généralement, ils ont du mâchoire sans dents, qui peut nommer un bec cornu. 17, on parle du squamas. Les squamas, ce sont les lézards et serpents. Leurs caractéristiques est bien définie, bien distincte, ce sont le renouvellement de la peau par morceaux. Ce sont les animaux à sang froid. La mue totale des serpents. La mue totale, il y a une qui est plus gilde de l'eau. Le serpent, il y a une qui est plus gilde de l'eau. Il y a un morceau comme un orilaf. Le serpent, il y a une. Ou aussi, il y a les écailles cornées. Et on va terminer ici par les archosauriens. Les archosauriens, comme quoi? Les archosauriens, ce sont les oiseaux et les crocodiles. Bien sûr, les oiseaux et les crocodiles, ce sont de la même famille. Et ça, distingue par un tout simple truc qui le rassemble d'une seule famille. C'est une paupière. C'est la troisième paupière. Et on va voir ça. Alors, ils ont un gisier. C'est une stomate mécanique. Alors, qui ont fait le TP de biologie animale, la dissection du poussin, ils ont bien connu la gisier. Alors c'est une stomate mécanique qui distingue le classe des archosauriens qui sont les oiseaux et les crocodiles. Alors ils ont des membranes nectitantes, c'est ça le troisième paupière, c'est le membrane nectitant au niveau de l'œil. C'est comme une troisième paupière qui passe verticalement. Alors ici on va voir 20, le classe des oiseaux. Ils ont des tégument. Alors ce tégument, c'est quoi leur tégument? C'est recouvert par des plumes. Alors les types de plumes, on a les pennes, les plumules et les filoplumes. Alors les pennes, ce sont les petites plumes, les plumules, ce sont les moyens, et les filoplumes, ce sont les grandes plumes. Alors tout ça, il existe dans la page 12 du PDF numéro 2. Du PDF numéro 2, c'est-à-dire le PDF de vertébré 2. Alors, leur appareil respiratoire, ils ont un sac aérien, ils ont les os pneumatisés pour faciliter le vol, ils ont l'hématose entre-capillaire. Entre-capillaire aérien et capillaire sanguin.
Tout ça, ce sont des caractéristiques qu'ont les étudiants dont le TD de cœur et le TD du squelette. Alors, l'appareil reproducteur est caractérisé par la présence de la reine et le cloaque. Le cloaque, c'est-à-dire, sont des trous ou bien ce sont presque leur anus. Alors, 12, on parle des mammifères. Alors, ici, on arrive au numéro 12, sont les mammifères. On parle du tétrapode qui ont 4 pattes ou bien 4 pattes pour marcher, ils ont muni de doigts. Et on parle des amniotes, ce sont les animaux qui ont un membrane selon l'amnios ou bien un liquide amniotique dans leur état larvaire. Maintenant, on va étudier les mammifères. Alors, les mammifères, ce sont les tégument recouverts de poils. Les tégument recouverts de poils. Alors, le poil, wa char ou le zrb. Alors, ou bien les cornes. Les cornes. Alors, huma grand, terrible. Et les griffes, la adafer ou le makhali. الأسد نمر دي غريف alors يعني هم مش يسميهم في الحياة اليومية لي زونغل كوم شينو لي زون الأظافر و لو سابو يعني الحوافير بحال عند الحصان alors c'est bon on parle aussi de la présence de la glande mammaire. La glande mammaire a d'abord caractéristique presque le plus important ou les poils a d'abord le plus important des caractéristiques pour les distinguer sur le classe des mammifères. Ils ont un toit dermique synapside, ils ont un seul os à la mâchoire ou bien qui s'appelle le dentaire sur la mâchoire inférieure. La mâchoire inférieure qu'on appelle le dentaire. Alors, les dents sont hétérodents ou bien homodents, oligodents, diphyodents. Ils ont très très beaucoup de types de dents. Alors, c'est ça la formule dentaire. Comment calculer la formule dentaire? Alors, la formule dentaire, on calcule comme ça. Alors, calcule le INI plus le NC plus le NPM plus le NM. Alors, tout ça fois 1/2 de la mâchoire supérieure. Comment ça? Alors, on va nous faire la rabia. Alors, les NI ou mal kawate. Kawate. Et les mâchoires qui sont en train de se faire. Alors, Zaïd, quel est le kawate? Zaïd, l'anieb. Zaïd, l'adresse l'awelia. Ou Zaïd, l'adresse l'khafiye, le kéna l'allah. هذا كنقسمو على نفس الحوايج نتاع لا ماشوار انفيريور ديما كنضربو في 1/2 و في تيب دي دون اللي كيفرق لينا جوج تاع الحوايج لي كارنيفور و لو سيستيم لو ريجيم لي دو على لي كارنيفور و بيان لي زيربيفور لي كارنيفور توجو با دو بار اوربيتال اي با دو دياستيم دياستيم اي با اي لي دون سو سون لي برانشيودون. Chez les herbivores, on a la présence de la barre orbitale et la présence du diastème. Ils ont des dents hypsodents. C'est quoi le diastème? Le diastème, alors, le don hypsodon et pas mendesh kawate ou mendesh adras l'awelia. D'accord? Afouan, mendesh kawate, fais mito. La mâchoire supérieure, mendesh kawate, la mâchoire supérieure, il y a présence du diastème. Alors, ici, sur les herbivores,
on parle de deux types d'animaux, les ruminants ou les non-ruminants. Les ruminants sont les كائنات المجترة, يعني عندها واحد المعدة أولية, حيوانات أولية, كتاكل كل شيء من بعد عاد كترجع وكتقوم بالهضم ديالو, عاد كتمضغو مزيان باش تعاود تسرطو. Alors ici, il y a les ruminants. Alors ils ont un estomac formé d'une seule poche. Et les non-ruminants, estomac formé de quatre poches. Stockage, la première poche, stockage des aliments. La deuxième, la remastication. Et la troisième, la digestion des aliments. Alors ici, on parle de les mammifères volants. Les mammifères volants, comme la chauve-souris, ils ont un tégument, pas les plumes, mais ils ont le patagium. Alors, on va parler aussi des mammifères primates, ou bien les mammifères primitifs. Ils ont un pouce opposable aux autres doigts. Le pouce opposable aux autres doigts. Et ils ont une ceinture pectorale, si petit ou bien grand, chez l'homme petit, chez le singe est grand. Alors on parle de la ceinture pelvienne, la présence de ceinture pelvienne longue et étroite. Alors c'est ça qui concerne la partie des vertébrés. Comme résumé, comme un résumé simple pour comprendre et pour prendre les très importants des notes pour valider votre module. C'est un résumé vraiment efficace pour valider le module. Alors maintenant, on va arrêter ici dans le résumé. À la prochaine fois, on va faire le résumé de partie des invertébrés. Et maintenant, on va passer pour expliquer quelques examens, comment on va faire et comment on va travailler. Inch'Allah. Alors maintenant, on a fait le résumé de la première partie des vertébrés et on va travailler maintenant les examens. Car la première vidéo, ça marche pas bien, alors on va le refaire maintenant. Alors, ici, on va travailler l'examen de 2018. Alors, on a dit quoi? Il a dit donner une fiche anatomique de l'espèce suivante. Alors, on va donner une fiche anatomique de l'éléphant de savane. Alors, comment on va faire? On va dire leur système de respiration. Alors, on va dire la présence de poumons fonctionnels formés d'alvéoles. Alors, on clade de l'épédistien. J'insiste sur les poumons fonctionnels. Alors, il faut écrire toute cette phrase. Poumons fonctionnels. Alors, et aussi on dit que il y a une présence de la glotte, présence de deux oreilles dans le cœur. Alors on va revenir sur eux. C'est ça, la présence de poumons fonctionnels formés d'alvéoles, présence de la glotte et présence de deux oreilles dans le cœur. Alors tout ce que vous voulez est trouvé dans le résumé, notre propre résumé, dans notre plateforme est sur Facebook, WhatsApp et aussi dans Instagram. Vous pouvez trouver plus que ce résumé de plusieurs matières. Alors on va passer à la deuxième question. Elles ont donné le type de dents. Alors le type de dents, on parle qu'elles ont des hétérodents, oligodents, diphyodents et hypsodents. Alors c'est ça qu'on a parlé déjà. On a parlé de type de dents, ce sont les dents, car il est de la famille des mammifères. L'éléphant nous appartient de la famille des mammifères. Alors il faut bien parler de types de dents. Alors on parle des hétérodents, homodents, oligodents et les diphyodents. Alors ce sont là et ce sont 2 points, 3,5 points. Très facile si vous suivez le résumé et vous suivez cette vidéo. Alors on va aussi parler de la caractéristique du cœur. La caractéristique du cœur, alors on dit que le cœur présente deux oreillettes et deux ventricules. Alors j'insiste bien de dire que il faut bien maîtriser, il faut bien apprendre le
TD du cœur et le TD du squelette, car elles ont 3 jusqu'à 6 points dans l'examen final. Alors, on parle de cœur est traversé par deux types de sang et pas de mélange de sang. Et en présence du double circulation, et on dit aussi l'arc aquatique 4 est formé d'une seule crosse aquatique gauche. Alors, on parle ici du schéma des toits dermiques. Alors, il faut travailler bien sur le schéma des toits dermiques pour les constituer bien, pour avoir jusqu'à 4.5 dans leur examen final. Alors, c'est très simple. On dessine toujours cette formule presque. Et on distingue que si anapside, synapside ou bien diapside. Et on dit que si carnivore ou bien herbivore, si carnivore ou bien herbivore, on parlait bien. Alors, je vous mettrai dans la situation. Alors, on a l'éléphant du savane. Alors, c'est un herbivore. Alors, il faut présence de dents orbitales, la présence du diastème. Alors, les dents épsilon, on le dit déjà. Alors, on a deux caractéristiques. Alors, on a la présence de barre orbitale. Alors, la présence de barre orbitale. Et aussi, on dit que synapside impair de fosse temporelle. Alors, ils ont l'articulation mammalienne. Alors, il faut prendre les articulations. On a presque trois articulations pour apprendre par cœur. Articulation mammalienne, l'un des trois des articulations. Alors, l'articulation entre deux os dermiques. Alors, on a ici l'articulation et est constituée entre deux os dermiques. Alors, ils ont donc proposé un cladogramme pour les espèces suivantes. Alors, 9 points seulement pour un cladogramme très banal et très facile pour le faire. Alors, on a l'escargot, la chauve-souris, la raie et la cédille et le serpent. Un petit pied ici, c'est l'escargot. Alors, on va voir. Alors, si on veut classer toutes ces choses-là, j'ai dit déjà que le petit piège ici, c'est l'escargot. Car vous êtes habitué de faire un cladogramme des deutérostomiens, toujours deutérostomiens, mais parfois, on a des pièges comme ça. C'est un protostomien, c'est pas un deutérostomien. Alors, on va voir la classification, comment on va faire. Alors, on va classifier tout ça. On va dire que c'est bilatérien, ou bien être vivant, ou bien eucaryote, tout ça, c'est existe. Alors, si on dit c'est un eucaryote, ou bien tous ces éléments-là sont bilatériens, alors on va dire c'est quoi un bilatérien? Un bilatérien, c'est-à-dire il possède un axe de symétrie bilatérale. Alors, maintenant, on va distinguer un par un. Alors, d'abord, on a dit qu'il n'y a aucun chemin jamais. Donc, الكائنات اللي عطانا الحيوانات اللي عطانا كلهم الحيوانات كلهم اللي عطانا تنجمعهم حاجه وحده كيجمعهم واحد الكاركتير كاملين شنو هو هذا الكاركتير اللي كيجمع هادو كاملين يا نقولوا عليهم اتخفيفون يا نقولوا عليهم اوكاريو ولا بيلاتيريان احنا جمعناهم قلنا في الكلاديغرام ديالنا بيلاتيريان الوغ اشنو هي بيلاتيريان قلنا انه تيكون بوسيد ان اكس دو سيميتري فوالا دابا اش غنديروا احنا جمعناهم كان دابا خصنا نخرجوا واحد منهم هاد الواحد شنو هو الا جينا نشوفو نشوفو ليسكارغو ليسكارغو سي تام بروتوستوميان الو بروتوستوميان ضروري نعطيو ان كاركتيريستيك ديالو الو لا بوش سو فورم اون بروميير افون لانيس شي لامبريون يعني لو بوش سو فورم اون بروميير بوزيسيون بروتو اون بروميير بوزيسيون الو ici il nous reste que la chauve-souris la raie la cédille et le serpent alors on va voir comment on va les classifier. Alors on va les classifier tous si on va dire deutérostomien ou bien cordé ou bien parangotrène, tout ça existe. Alors ici on va dire que c'est cordé. Alors c'est quoi cordé? C'est la présence d'une corde. La présence d'une corde. Alors bureau. Alors on va distinguer un seulement un kharjou. Les oies. L'urocordé. Ashnawa de urocordé ada. Oua l'acidi. L'ignana qui trouve l'eau libre, on est qu'à fixer. Alors d'abord, on va voir qui va être la caractéristique d'elle. Alors, leur caractéristique, c'est la présence d'un corde au niveau de la queue à l'état larvaire. Qui m'a dit là,
Watchikan, qu'elle montre résumé. Yani, le résumé est presque suffisant pour باش تجيب النقطة ديالك راه كافيك باش تجيب انك تجيب النقطة ديالك الا خدمتي مزيان راه غادي تجيب هي في هاد لابارتي اللي كان بيلي كنايا يعني تقدر تجيب 9 النقط ديالك 10 النقط سهلة نتلاقى نهي من هاد البي دي اف هذا زائد الى زدتي عليه الريزومي تاع البارتي الثانية فانا تقدر تجيب نقطة مزيانة هذا طبعا اذا كان عندك نقطة زوينة في لو تي بي الوغ ايسي il nous reste 3 قولينا 3 بي سي او قولينا la chauve-souris, la raie et le serpent. Alors, à l'ukamin, à ce moment-là, je me rends. Entre jour, à l'oula, il y a la raie. Parce qu'il y a l'oua, il y a chondrichtien. C'est un chondrichtien, il possède un squelette cartilagineux. Quand je vais obtenir, quand je vais BE, on va aller parler dans la chauve-souris ou le serpent. On va aller parler dans, à ce moment-là, le lion, ils en possèdent un squelette osseux. Ni Wuma, Machi, cartilagineux, alors on dit que ce sont des os et tiens. D'abord, on fait le combinaison donc juste à Wuma, et d'un père et d'un E. Alors, E, diapside, il y a une présence de deux paires de fosses temporelles. Au B, on dit que c'est un mammifère, alors le toilermique synapside, avec une paire de fosses temporelles. Alors, Dima, synapside, et les mammifères. Toujours c'est un absent. Alors, il y a un cas qui est comme ça. Il y a un cas qui est comme ça. Il y a un cas qui est comme ça. Il y a un cas qui est comme ça. Alors, d'abord, c'est un cas qui est comme ça. Il y a un cas qui est comme ça. Il y a un cas qui est comme ça. Il y a un bilatérien. Un bilatérien, c'est un cas. Il y a un cas qui est comme ça. Il y a un cas qui est l'escargot. L'escargot est un protostomien. وفرق لنا واحد اخرى اللي هي ديتيروستوميا تفقين هنا اش كنديروا عاوتاني كنجيب تاع هادو راه فرقناهم على جوج فرقنا لاسيد بوحده وفرقنا اخرى بوحده الاخرين يبقاو لنا بوحدهم الوغ لاسيد قلنا عليها هنا كوسيكون ايغوكوردي الوغ هي بقات بوحده هنا شحال بقى لينا مازال بقاو لينا 3 بونس شنو وصلنا خرجنا دابا لاسيد غيبقاو لينا 3 السجارية وبقاو لينا ثلاثة هاد ثلاثة جمعاهم واحد الكاركتيريستيك اللي هي غناتوستوم هاد غناتوستوم نخرجو منها واحد القازية تا هي بوحدها اللي هي لاغي اللي هي كوندريكتيان اللي هي كوندريكتيان اللي يعني بوسيد ان سكويليت كاتيجينو وبقاو لينا جوج بقاو لينا جوج هاهما هاد الجوج هادو غنفرقوهم على جوج لو سيربون et la chauve-souris. Serpent à l'ingouloulé, c'est un diapside. Ou un synapside. Ou à 4-4-4, le formule, c'est le diagramme diète. Là, je vais juste faire le chèque. Il y a une carte de la fête, la fête chimie a dit. C'est là, peut-être que tu as juste une carte diète, ta ligne, ou tout faire plus jamais. On a qui m'a dit qu'il y a une carte de la fête. كلادوغرام ديالو بطريقه مختلفه جزئيا الى كلادوغرام ديال الصديق ديالو يعني ماشي كلشي غادي قد كلادوغرام بنفس الطريقه ديال الاخر الا انا في الاخر كنت تقريبا نفس النتيجه الوغ هنا عندنا ليكزومبل الثاني تاع ليكزامبل ديال 2018 اللي غنخليكم تخدموه بوحدكم تحاولوا انكم تخدموه مزيان وتفهموه واللي ما قدرش انه يفهمو بوحدو ديك الساعه غادي نشرحو في فيديو اخرى ان شاء الله وهو لي كيستيون الوغ راه فيه الاجوبة سكيل تشوف واش انت استوعبتي الاجوبة واش انك قادر تتبع مع الاجوبة واش انك قادر تجاوب قبل ما تشوف الاجوبة انطلاقا من لو ريزومي اللي شفتي معايا دابا وانطلاقا من ليكزومبل الاول اللي خدمت معاك واش انك تقدر تشوف بلا ما تشوف الجواب وتقدر تجاوب على هادشي هذا الوغ الحاجة اللي كان انسيستي عليها بزاف هي انه ديما عندنا اون كيستيون تاع تيدين تاع لو كور وتيدين تاع السكوليت يعني هادو تري امبورتون هاد جوج لعب تاع لي ريدي انك تعرفهم وتعرفهم مزيان مزيان باش انك تقدر تجيب واحد ستة ديال النقط ديال مجانية الى قال لنا جوج تاني تيدي اذا فهذا هو الاكزام كنتمنى انكم تفهموا مزيان واللي ما فهمش شي حاجة يتواصل معايا في لي كومونتير او بيان عبر الصفحة ديالنا فيسبوك ولا في انستغرام ولا في مجموعة ديالنا في واتساب ونتمنى التوفيق للجميع وان شاء الله الجزء الجاي غادي نجيو فيه لابارتي نتاع لي زانفيرتيبغي ان شاء الله يتقرب لابارتي تكمل باش انكم تتبعو مع الاستاذ
تكونوش من العزيزين وان شاء الله يحطوا لكم لاديو ديالها وبالتوفيق للجميع. وهذه هي مدخشين جديدة ما كاين حتى شي شان اخرى اي شان اخرى كاينه قديمه ولا شي حاجه. المهم هذه هي لاشين جديده ديالنا وكنتمنى التوفيق للجميع.